t'apprends. Excusez-moi, monsieur, mais c'est la première fois que je m'en sers. Ben, c'est bien ce que je dis. Si tu sais pas t'en servir, t'apprends. Mais vous avez même pas touché. Mais attends, tu la veux, celle-là, là? Oh, excusez-moi, pardon, faut pas vous mettre en colère. Hein. Merci, monsieur. Je vais partir en voyage, Daniel. Tout seul? Mmh. À Marseille. Quelle drôle d'idée. Chez ma mère, j'ai retrouvé de vieilles lettres de mon père. Les dernières portent son adresse à Marseille. Non, mais si elles sont vieilles, l'adresse doit plus être bonne. Hein. Un type qui part comme ça, en abandonnant sa famille, ne doit pas être quelqu'un de très stable. Mais attends. Tu penses bien que j'ai vérifié de suite sur le Minitel? Il habite toujours Marseille. Depuis 20 ans. Tu te rends compte? Excuse-moi. Ben, moi, ça va. Parle de toi dans ces lettres? Non, pas du tout. Non. Il dit où il est et qu'il travaille. Elles sont pas très longues. Il écrit pas très bien le français. Excuse-moi. Embrasse Félix pour moi, c'est quand même pas difficile à écrire. C'est un truc incroyable que j'ai retrouvé une trace de mon père et la seule chose que tu trouves à faire, c'est de lui casser du sucre sur le dos. Je veux juste pas que tu t'emballes. Mia m'a tellement fait chier que je me demande pourquoi tu veux te jeter dans la gueule du loup. Mais parce que je sais pas quelle gueule il a, le loup. Plus ou moins la tienne, j'imagine. En plus typé, peut-être. Choisir un moment où j'étais là pour partir. Je te ramenais à la gare. Tu sais jamais quand tu travailles ou quand tu travailles pas. On n'est pas obligé de se faire des adieux déchirants sur le quai d'une gare. Hé, on se rejoint dimanche. Je t'ai pris un billet. Tu prends le train à 8h19. 8h19, c'est super tôt. Je viendrai te chercher à la gare. Moi, ça me laisse 5 jours pour régler mes histoires. Après, je t'emmerde plus avec ça, promis. T'exagères, c'est mon premier jour de vacances.
tu vas être en retard. Je t'aime. J'aime bien la forme, mais vous n'auriez pas des couleurs un peu moins voyantes? Ben non, pourquoi? Il sera idéal pour le Mistral. Bon, combien je vous dois? 590. Ah ben très bien. Il veut ce con! Ça va pas ou quoi? Ah! Au secours! Au secours! Oh, je ferme là. Vous voyez bien que je ferme, vous allez où? Laurent, qu'est-ce que tu fous encore? Arrête tes conneries, pas dans mon bar. Il a tabassé quelqu'un, j'ai tout vu. N'importe quoi. Mais il délire. C'est Rémi qui était sous et qui s'est cogné la tête en tombant. Je vous dis qu'il a tabassé quelqu'un, faut appeler la police. Laurent, c'est un brave gars. Vous avez eu des visions. Allez, qu'est-ce que je vous sais? Un demi pour moi. Oh, toi, t'as assez bu. Casse-toi. Ah, ben, bonjour, l'amabilité. Alors, ce sera? Je suis en train de vous dire qu'ils ont agressé quelqu'un. Je suis rentré ici pour me protéger. Oh, c'est fini, la comédie. Ah ouais, ben, je vais aller voir les flics. Oui, ben, allez-y, c'est au bout de la rue, à gauche.
T'as rien vu, tu te tais. Hein? Personne te croira avec ta gueule. Alors, tu te mêles pas de nos affaires. Hein? Et ton confrère, on lui a rien fait. Demain, c'est une histoire oubliée. Tire-toi, ça vaut mieux. J'espère que c'est pas des antidépresseurs que vous prenez. Vous vous pillez assez comme ça. C'est pas des antidépresseurs, c'est contre le mal de tête. J'ai eu une nuit difficile. Faut pas boire comme ça aussi. C'est pas l'alcool qui m'a donné mal à la tête. D'habitude, je prends jamais les mecs seuls en stop. Je me méfie. Je me méfie seul, je dis pas, mais c'est rare. Comme j'avais envie de compagnie, j'ai fait une entorse à ma règle. Enfin, si vous vous pillez tout le temps aussi. Ce prochain carrefour, hein? Après, c'est plus votre route. Excuse-moi, t'aurais pas une clope? Non, je suis désolé, je fume pas. Dommage, j'y arrive pas et ça me rend nerveux. Fais voir. Ah oui, c'est pas terrible. Bon, faut dire que t'as pas beaucoup de lumière, c'est pas un peu tard pour dessiner? J'ai pas le choix, c'est pour le cours de demain. Tu veux un coup de main? Tu sais dessiner? Je suis pas Michel-Ange, mais je me débrouille. Des feuilles? En dessous, ouais. Alors, c'est lequel? Alors, tu vois les trois colonnes, là? Tu montes où c'est le premier. À gauche, hein. Ah, ouais. C'est qui, ce type? Aristote. Qu'est-ce qu'Aristote vient foutre sur une cathédrale? Je sais pas. Mais j'avais pas envie de dessiner un saint ou une martyre. Il y en a marre, puis que je suis gamin, les profs de dessin me font dessiner la cathédrale. Faut dire qu'il y a que ça dans ce trou. Belle cathédrale. C'est con, j'ai pas eu le temps d'aller voir les vitraux, je viens d'arriver. Je m'appelle Félix. Moi, c'est Jules. Tu voyages? Hum. T'arrives d'où? T'es trop curieux, toi. Tu vas où? Ça te regarde pas.
Ça te va? Impec, j'aurais pas fait mieux. Bah, je peux te raccompagner si tu veux, mais à pied. C'est pas la peine, merci. Je suis assez grand pour rentrer tout seul. Bah, je te raccompagne quand même, comme ça. Mais non, je t'assure que tu ne déranges pas. On passe par la fenêtre, là, c'est ma chambre. Allez, Oust. Fais gaffe, hein. You. Allez, je te lève. Allez, avance. Drôle de chemin, celui-là. C'est pas très confortable par terre. Ça va. Si tu veux, tu peux dormir dans mon lit. Bonne nuit, Jules. Jules, oh. Pardon, ma chérie. Tu sais quand même? Ouais, mais j'ai pas cours. La prof de maths est dépressive. Dis-moi de t'avoir réveillée. À ce soir. À ce soir, maman. Je t'embrasse. Tu m'excuses, hein, mais j'ai pas le courage d'aller ouvrir la porte. Quelle heure il est? 9h à peu près. C'est l'heure où ils sont tous. Tu permets? Ouais, bien sûr. C'est quoi cette connerie que tu regardes? Tu vas pas t'y mettre toi aussi, hein? Ça, c'est personnel, Jules. T'es un peu branque, c'est pour les grands-mères. Tu veux voir les vitraux, je suppose? Ouais, je veux bien. J'aime bien les couleurs. J'ai déjà vu mieux. T'es gonflé, c'est les plus beaux vitres du monde. Voilà, c'est bien ce que je dis. Faut que tu sortes de ton trou, mon gars. Faut voir du pays, faut voyager. Mais ça, là, Menchikov. Wow! Ah, regarde, il a laissé ses clés. Hein? Il a laissé ses clés. Et alors? On monte et on part! Allez! Viens, prends ça. Hé, le con! Félix, regarde! Putain de merde! Qu'est-ce qu'on fait? Mais. J'en sais rien, on va pas l'adopter, on le rend. On le rend? Oui, on va se faire passer! Mais non, on va pas se faire passer! Ça dépend de toi, ça! De moi? Venez! Vas-y, c'est ça ou tu restes dans ton trou? Toi là. Bonjour monsieur. Regarde, on a fait une blague à la dame qui est là-bas. Mais la blague est terminée maintenant. Tu veux bien m'aider? Oh, c'est la maîtresse. Oh, je veux bien lui faire une blague. Bah, écoute, c'est super facile. Tu le prends et tu lui apportes, c'est tout. Tu veux voir, elle va beaucoup rire. Moi, j'arrive après. Fastache. Tu laisses pas tomber. Fais attention. J'ai l'habitude, j'en ai un moi aussi. Alors, fonce. J'aime bien. Ah, ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Je peux te poser une question? Non, non, pas du tout, non. J'aime pas les questions. Ça t'intéresse vraiment, cette sitcom? Fais pas la gueule, oh là là! Je peux pas tout te raconter! De toute façon, c'est mieux pour toi si t'en sais pas trop long, hein. Hé, tu crois vraiment qu'on peut aimer regarder une connerie pareille? Réfléchis un peu, si t'es malin, tu comprendras.
4. Ah, enfin, je commence à avoir froid. Bah, fallait aller à la voiture. Et t'as fermé les portes. Mercure, c'est Hermès. C'est le dieu des voyageurs. C'est aussi lui qui accompagnait les âmes dans les enfers. Mais quelle est en mythologie, toi? Pas particulièrement, mais je l'aime bien, ce dieu-là. Tu sais, c'est aussi lui le patron des marchands et des voleurs. C'est ça qui m'a amusé quand on en a parlé en classe. Un dieu qui protège ceux qui s'opposent. Comme si leurs intérêts étaient les mêmes. Pourquoi ce temple ici? Pour protéger les voleurs. Les voyageurs égarés comme nous. Ou alors parce que c'est aussi le dieu des thermomètres, je sais pas moi. Il va en avoir besoin dans le coin avec le froid qu'il fait. T'as encore froid? Bah ouais, plutôt. Allez, viens, on va à la voiture, viens. Et voilà. Tu laisses pas les clés? Bah non, pour que la pique. Bah t'as qu'à les mettre dans le coffre. Oh, fais pas chier, de toute façon, elle doit forcément avoir un double. Allez, viens. Attends-moi. Ils vont jamais me laisser rentrer. Si, bien sûr qu'ils vont te laisser rentrer. Prends un air dégagé. Et s'ils demandent mes papiers? Ils vont pas te demander tes papiers! Tu fais plus que ton âge. Vraiment, tu Mais trouves? Mais oui, t'es un vrai mec. Bon, allez, viens. Bonsoir. Bonsoir. Allez, viens. Allez, passe devant. Ma boîte. Tiens, ça c'est à toi. Donne-moi ça. Allez, vas-y, tire-toi.
Je comprends pas comment ils ont su. Comprends pas, tu comprends pas. T'as vu ta gueule un peu? Ça veut jouer les mecs, ça a même pas de poil au menton. Allez, allez, avance, allez, viens. Tu me mets bien. C'est toi qui leur as dit, pas vrai? T'es un vrai chieur, hein, je comprends pas ce que tu veux. Tu me mets dans le bateau depuis hier. Un nul. Casse-toi! T'es con ou quoi, Jules? T'es en train de me faire une scène parce que je veux pas coucher avec toi. C'est ça? Bah écoute, ça t'arrivera souvent. Hein. C'est pas parce qu'on baisse pas que je t'aime pas, Jules. Je t'aime bien, t'es comme mon petit frère. Faut vraiment être naze pour sortir un truc pareil. Allez, viens. Laisse-moi, t'as pas à me dire ce que je dois faire, t'es pas mon père non plus. Écoute, je vais aller chercher la voiture et je reviens. D'accord? Tu m'attends là, hein? Petit frère. Excuse-moi, t'aurais pas une clope? Quel con. Oublie tes doutes, poursuis ta route, lève les yeux, le ciel est bleu, suis le soleil jusqu'à Marseille, c'est à la mer qu'attend ton père. Va pèlerin, suis ton chemin. Oublie tes doutes, poursuis ta route. Lève les yeux, le ciel est bleu. Woo! Suis le soleil jusqu'à Marseille. C'est à la mer qu'attend ton père. Oublie tes doutes, poursuis ta route. Lève les yeux, le ciel est bleu. Suis le soleil jusqu'à Marseille. C'est à la mer qu'attend ton père. C'est à la mer qu'attend ton père.
est là. Jeune homme. Mais pourquoi vous me frappez? Ah mais je vous frappe pas. Je vous frappe pas, je vous réveille. Vous êtes gonflé, et puis je dormais pas. Eh ben tant mieux, parce que j'ai besoin de vous. Rendez-vous utile, n'est pas resté étalé sur votre banc, ne rien faire. Aidez-moi à ramener mes courses chez moi. S'il vous plaît. Je suis une vieille dame. Vous avez l'air plutôt vaillante. Commencez pas avec les flatteries. Mais qu'est-ce que vous imaginez? Allez, c'est par là. Suivez-moi. Eh, mais il est tout léger, votre sac. Eh ben, pour vous, peut-être, mais pour moi, il m'a à moitié démoli l'épaule, alors, hein. Vachement culotté, hein. Faut vous dire que j'ai été très belle. Ça aide. Vous vous appelez comment? Félix. Félix. Heureux, Félix. Moi, je suis Madame Firmin. Mais vous pouvez m'appeler Mathilde. C'est là. Entrez. Bon, ben, vous êtes arrivé, je vous laisse ça là. Ah, oh, ben non, vous voulez même pas que je porte le sac jusqu'à la cuisine, non? Allez. Bon. Légumes. Frigo. Oui. Oui, mais pas là. À droite. Les fruits qui vont à gauche. Évidemment. Ouais. Voilà. Bon. Le poulet, non, vous le laissez là, c'est pour midi. Café, sucre. Alors, le café, il va dans le meuble là, en haut, à gauche. Mais pas le sucre. Le sucre, il va dans l'autre meuble. À côté. Celui-ci? Très bien. Les fraises en cette saison, ça s'embête pas, hein? Oui. Ça chie ou ça? Non, pas dans le frigo. Des primeurs à ce prix-là, non. On les laisse là, à côté du poulet. Le fromage, je suppose que ça va pas au frigo. Non, ça va dans le garde-manger, qu'elle a sous vos yeux. Voilà. Voilà. Il y a quelque chose encore. Le petit savon. Mm-hmm. Dans la salle de bain, bien sûr, juste à côté de l'escalier. Oui. Vous êtes quand même mieux dans mon jardin que sur votre banc. Oui, oui, c'est vrai. Vous l'air très convaincu. Hein? C'est que je cherchais pas forcément de la compagnie. Ah ben, dites que je vous pèse. Non, pas du tout, Mathilde, je suis bien, là. Je suis même très bien. Mais je vais pas m'éterniser. Vous voyagez? Je voyage, oui. Et pour aller où, sans indiscrétion? À Marseille. Je vais retrouver mon père. Retrouver, c'est un bien grand mot. Je vais le trouver. Je le connais pas, mais j'ai une adresse. Je voudrais savoir à quoi il ressemble. Là, j'ai décidé d'aller faire sa connaissance. C'est peut-être un type bien. Je vais à Marseille pour voir, comme on dit au poker. Moi, j'y crois pas, votre histoire. Vous croyez pas que je vais retrouver mon père? Si, ça, je le crois, parce que vous le dites. Mais je pense pas que vous ayez vraiment envie de le voir. C'est juste un prétexte. Vous n'en avez rien à faire de votre père. À votre âge, à quoi ça servirait un père, je vous le demande? Non, non, croyez-moi. Regardez dans le fond de vous-même. Votre père. Il vous manque pas plus qu'à moi, mon mari. Ça va. Ça passe, c'est bon. Ça passe, mais je vois pas très bien où vous voulez le mettre, ce truc. Là, contre le mur. Voilà. Il suffira de pousser un peu le fauteuil et de mettre le bureau devant la fenêtre et ce sera parfait. Bon, ben, si vous le dites. C'est une chance de vous avoir rencontré, hein. Il y a des années que je demande à mon fils de déménager ce lit. Il n'a jamais le temps. Ou alors, quand il vient, il est fatigué. C'est la maison de son père, il ne veut pas que je change quoi que ce soit. Sincèrement, Félix, quoi. Mais c'est affreux, ce salon. Le pire, c'est ma chambre. Depuis l'avoir. J'ai épousé mon mari bêtement et banalement. Après une grave déception sentimentale. Bon, j'étais très jeune. Un soir, au bal, à Pierre Champenoise. Je suis champenoise, moi. De Port-à-Binçon. Vous connaissez? Port-à-Binçon? Non. Il n'y a d'ailleurs pas de raison pour que vous connaissiez. C'est un petit village sur la Marne. Enfin là, un soir au bal, j'ai rencontré un homme plus âgé que moi.
était venu dans la région pour travailler. Pour que c'est laid, ça. Mais que c'est laid. Bien le goût de ma belle-fille, ça. Enfin, après le bal, on s'est beaucoup revus. Mais qui m'aimait. Et alors moi, j'ai cédé. Et quelques semaines plus tard, il est reparti pour Paris. Alors il m'a dit qu'il m'écrirait, qu'il reviendrait bientôt, qu'il parlerait à mes parents. Ouais. Ben évidemment, il s'est revenu. Il est cassé. Il est cassé, hein. On pourrait peut-être essayer de le recoller. Non, malheureux, non. On jette. Bon. C'est où j'en étais. Ah ouais. J'étais tellement malheureuse que j'en suis tombée malade. J'étais pas enceinte. Heureusement. Alors de dépit. On peut dire que c'était dépit. J'ai décidé d'épouser le premier qui me le demanderait. Ça a été Gabriel Firmin. Oh. J'ai pas été très heureuse avec lui. J'ai pas été très malheureuse non plus. C'était pas un homme très tendre. Enfin, j'ai souvent pensé que j'aurais pu tomber plus mal. Vous auriez peut-être dû attendre un peu. Vous auriez rencontré un homme que vous auriez aimé, vraiment. C'est parfait, hein. C'est bien. Enfin, c'est bien, mais vous avez quand même oublié la table de nuit. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle le soleil. Je faisais ça quand j'étais petit en Normandie. Ça marchait tout le temps, je crois que j'ai un don. C'est la première fois que j'essaie au sud de la Loire. Faites voir. Bien soleil. Bien soleil. Bien soleil. Pas très convaincant, hein. Viens soleil, viens soleil. Vous restez ici ce soir. J'ai déjà préparé votre chambre. C'est ici que la victime a été découverte sans connaissance avant-hier par un conducteur du métrobus. Malgré les soins intensifs qui lui ont été administrés, l'homme est mort hier soir sans avoir repris connaissance. L'hypothèse d'un règlement de compte, à un moment évoqué, semble être à présent totalement écartée par les enquêteurs. Selon eux, il s'agirait d'un crime raciste. À Paris, le salon du chocolat ouvre ses portes. Ils l'ont tué. À l'approche de Pâques, les meilleurs acteurs. Je crois que c'est ce qu'il vient de dire, oui. Présenter leur production. Oh nom de Dieu, je sais qui a fait le coup. Vous êtes parapsychologue? Non, pas du tout, j'y étais. À Rouen? Mais oui, j'étais à Rouen, j'ai vu les deux types qui ont fait le coup, je vous dis. Et vous n'êtes pas intervenu? J'ai rien pu faire, ils m'ont couru après pour me faire la peau. Oh, nom de Dieu. Vous lavez ou vous essuyez? Bon, ben, je vais laver. Vous savez, si vous connaissez les assassins, il faut aller les dénoncer à la police. Vous auriez dû y aller depuis longtemps, d'ailleurs. Je vais pas chez les flics. Ben, vous pouvez pas les protéger, c'est quand même des salauds.
Écoutez, Mathilde, je vais pas chez les flics, hein. De toute façon, ils les retrouveront bien sans moi. De quoi vous avez peur? Vous avez fait une bêtise? Hein? Non. J'ai emprunté une voiture. Emprunté? Oui, enfin, je l'ai piqué, mais je l'ai rendu ce matin. Et vous faites ça souvent? C'était la première fois. Pour épater un gosse. Un gosse? Ouais. Il était amoureux de moi. Il m'a pris pour un caïd. Amoureux de vous? Un garçon? Je suis pédé. Oh non! Pas vous! Comment ça, pas moi? Si, je suis pédé. Bah quoi, j'en ai connu des homos, mais enfin pas vous! Mais si, puisque je vous le dis, je sais pas quoi faire pour vous convaincre quand même! Mais vous avez l'air si sûr de vous, moi je veux bien vous croire, hein! Oui? Mathilde, c'est vous? Ne dormez pas. Je vous ai préparé une tisane. C'est gentil, mais habituellement, j'évite ce genre de choses parce que ça m'oblige à me relever la nuit. Bon, vous savez, avec tout ce que vous buvez, ça ne peut pas empirer les choses. Et le lavabo est à côté. Alors, vous partez demain? Bah oui, faut quand même que j'arrive à Marseille. Puis au moins, j'en aurai le cœur net. Écoutez, demain, je dois aller au puits pour faire des courses. On pourrait y aller ensemble. On prendrait le train. Mais je ne prends pas le train et j'évite les grandes villes. C'est dans mon plan. Le Puy, je dirais pas que c'est une grande ville. Puis ce n'est que l'autorail. Mathilde, il faut vraiment que je parte à Marseille. Puis là-bas, j'irai voir les flics. Ça peut peut-être attendre 2 jours encore. Vous faites avec votre conscience, hein. Si vous pensez qu'il est si urgent d'aller voir votre père, moi, je suis pas d'accord. Mathilde? Oui. Non, rien. Enfin, si. Tout à l'heure, là, quand vous êtes entrée, j'ai cru que vous m'observiez derrière la porte. Ça fait des idées dans ces vieilles maisons. Je ne vous observais pas. Je vous regardais. Il y a très longtemps que je n'ai pas vu un homme nu. Et vous êtes charmant. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bonne nuit. Bonjour. Je ne peux pas empêcher de réagir. Bonjour. Mais ne comptez pas que j'accepte le divorce. Plus jamais. Vous avez tort de prendre ce feuilleton à l'épreuve. Car père est libre de choisir par lui-même. Et il en va de son devoir de père de vivre avec la mère de son enfant. Regardez cette série. Ah ouais. Oui, le cimetière pour gagner. Qui nous dit que cet enfant n'est pas l'enfant d'un étranger? Je sais bien qui vous êtes et ce que vous voulez. C'est complètement débile, hein, vous ne trouvez pas? Je vous interdis d'en douter. Débile. Complètement idiot, oui. Mais ils sont tous tellement méchants que ça devient fascinant. Vous voulez une tartine? Ah, s'il vous plaît. Servez-vous du café. Bon, ça s'arrange pas. Hein. Eh non, c'est bien ce truc-là, c'est pratique. Ah ouais. On est sûr de rien oublier avec ça. Où est-ce que vous trouvez ça? Dans une parapharmacie. C'est moins cher que dans les pharmacies. Mais non, ça me serait bien utile, avant de voir. Ah, Mathilde, je vous le laisserai volontiers, mais j'en ai vraiment trop besoin. Non, mais j'ai le moyen de m'en acheter un. Ah, ils sont énormes. Hein. Les vôtres sont pas mal non plus. Allez, courage. Est-ce que t'es mon papa?
Ne me fallait pas. Bon, c'est juste un petit souvenir. Allez, au revoir. Au revoir, adieu. Vous ne reviendrez jamais me voir. Mais vous pouvez m'envoyer une carte postale de Marseille. J'ai été très heureuse de faire votre connaissance. Adieu. Au revoir. Décidément, vous êtes un peu lâche, hein? Félix! Oui? Mon cabas! Vous avez l'air de vous y connaître en cerf-volant. Plutôt pas mal. Mon père aimait beaucoup ça, c'est lui qui m'a appris. Moi, mon père détestait les cerfs-volants. Mais les cerfs-volants d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec les cerfs-volants de quand on était petit. On fait des trucs incroyables maintenant. Tous les deux ans, je vais à Dieppe pendant le festival. Il y a des cerfs-volants du monde entier, c'est vraiment sympa. Vous connaissez ? Dieppe ? Ouais, oui, de réputation, ouais. Ah, c'est loin, hein. Oh, en train. C'est cher. Je paye pas. Je suis cheminot. Mais ça va pas, non? Ça pollue, ce truc-là. On trouvera bien une poubelle en route. Tu m'as poussé dans les orties. J'avais pas vraiment l'esprit à la botanique. T'as de la chance, ça aurait pu être des ronces. Allez, ça va passer. Pour calmer l'irritation, il suffit de mettre du vinaigre dessus ou de faire pipi. Tu vas pas en plus me pisser dessus. Que je revienne avec Daniel dans le coin. C'est vraiment super. C'est mon copain. Je suis sûr qu'il adorerait. En ce moment, il travaille. C'est pour ça que je suis tout seul. Si, parce que j'ai des trucs perso à régler. À Marseille ? Ça doit être bien pour le cerf-volant, Marseille. Ouais, mais attention. Avec un Mistral trop fort, tu pourrais le perdre. Ouais, je ferai gaffe. Si je t'arrête à l'entrée de Montélimar, ça t'ira ? Je vais pouvoir acheter du nougat. Ça sent un peu bizarre, ton truc. C'est du vinaigre à l'échalote. C'est tout ce qu'elle avait. Prends encore un peu, là. عندي كل يوم
Sûrement y arriver. Puis comme ça, après, vous pourrez me déposer. Donnant, donnant. Ah, c'est intéressant, j'aime mieux ça. Vous allez où? À Marseille. Ah, je m'arrête à Salon. Vous y serez presque, hein. C'est rudement mal fichu, ce truc. Oui, je trouve. Faites voir le manuel, là. Qui c'est, ceux-là? C'est mes enfants. Je vous les présente. Antoine, Nicolas, Louise. Moi, c'est Félix. Et moi, c'est Isabelle. J'espère que vous n'êtes pas trop pressés, hein. Parce qu'avant d'arriver à Salon, il faut que je les dépose chez leur père. Il les garde le dimanche. Et moi, ça m'arrange parce que j'ai une réunion de travail. Ça va me prendre un peu de temps. C'est bien, ils sont vachement tranquilles derrière. Vous les intimidez. Ça risque de pas durer, hein. Il habite où, leur père? Zabit. Ça veut dire quoi, Zabit? Père, c'est un pluriel. Leur père. Ah. Zabit. Ils habitent. Si on a un chacun, ça fait trois. Donc, c'est un pluriel. Oui, ça va, j'ai compris. Pour le pluriel, c'est conjugué. Enfin, je sais pas, je vous explique. J'ai eu trois fois un enfant avec un homme, enfin trois, qui en avait très envie, et chaque fois, ça s'est mal terminé. Mais je vais pas vous raconter l'histoire par le menu, hein. Non. Zabit où, alors? Sur le chemin, heureusement. Le premier à Bolène, le second à Mornas, le troisième à Châteauneuf. Ce sont des enfants du Rhône et de la Nationale 7. J'aime pas l'autoroute. La route, c'est plus jolie. Vous voyez, là, il y a des platanes. Enfin, pas partout, parce qu'ils en ont beaucoup coupé pour élargir la route. Avant, ma mère m'a dit qu'il y en avait tout le long de la route des deux côtés. Et comme ça, on pouvait aller de Lyon à Marseille en vélo, même en plein été. Et vous faites quelque chose, moi je conduis. Enfin, je vais pas distribuer des trompes. Inventez un jeu et vous derrière, calmez-vous. Félix va nous proposer un jeu. Un jeu, Isabelle, pour les enfants, mais j'en connais pas. Ben faites un effort. Alors, on va jouer au corbillon. C'est quoi un corbillon? Ah, c'est un panier. Et puis moi je dis qu'est-ce que je mets dans mon corbillon et il faut trouver les mots qui vont dedans. C'est quoi des mots qui vont dans un panier? Des mots qui finissent en corbillon, en cornichon par exemple. Bon, je commence. Qu'est-ce que je mets dans mon corbillon, Louise? Un melon? Oui. Nicolas? Un cochon? Oui, oui. Bravo. Isabelle? Un tromblon? Ouais. Moi, un pantalon. Antoine? Une pomme. T'es débile, ça marche Antoine, pas. Antoine, il faut que tu trouves un mot qui finisse en on. Iguanodon. Mais ça entre pas dans un panier. T'es trop petit, t'es trop bête. Regarde, c'est facile. Un avion, un salon, un camion. Mais c'est trop gros, ça entre pas. Ouh, la médine. Ouh, la médine. Ouh, non, j'ai pas la médine. Bon, toi, arrêtez de crier. Et vous, bravo pour le jeu, hein. À pendre et trancher sur la place du, vous m'entendez? À pendre et trancher sur la place du marché. Monter sur la potence, je regardais la France. J'y vis mes compagnons à l'ombre d'un, vous m'entendez?
suivis mes compagnons à l'ombre d'un buisson. Compagnons de misère, allez dire à ma mère qu'elle ne me reverra plus chez un enfant, vous m'entendez? Qu'elle ne me reverra plus chez un enfant perdu. Moi aussi je voudrais rester là. Louise, ne commence pas, tu vas chez ton père tout de suite. Mais je m'ennuie là-bas. Ça suffit. Je vous les laisse, je suis là dans un quart d'heure. Si je les emmène, ça va être la foire. Vous inquiétez pas, ils vont rester sages. Merci, ciao. Qu'est-ce qu'elle fait votre maman dans la vie? Elle est flic. Elle est flic? Ouais, flic. Oh. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous prenez? Un pastis. Ça va pas, non? Pastis. Trois mentalos, s'il vous plaît. Je veux pas aller chez papa. Je voudrais aller chez papa Émile avec Antoine. C'est qui papa Émile? C'est mon papa. Il fait du vin, il a un grand jardin et on peut jouer avec le tracteur. Chez mon papa, c'est pas drôle. Je suis tout seul. Je voudrais aller avec Antoine. Tu veux pas demander à maman? Ben non. Non. Chacun chez son papa, c'est comme ça. C'est la loi et on n'y peut rien. La loi? On s'en fout. Pan, 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 pan. Arrêtez tous les deux ou je vous mets en prison. Non mais est-ce que j'ai une gueule de flic? Ah mais la gueule ça dit rien. D'ailleurs il n'y a que les flics pour croire que la gueule ça dit quelque chose. Tenez, est-ce que j'ai une gueule de Normand? Ah pas vraiment. Vous êtes Normand? Eh ben ouais. Par ma mère, de Dieppe. Bon, vous êtes pas flic, j'aime mieux ça. Pourquoi? Vous avez fait une connerie? Oh. Parce que vous trouvez que j'ai la gueule de quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Je sais pas. J'ai une gueule de voleur. Une gueule de tueur. Parce que si j'avais une gueule d'assassin, fallait pas me confier les enfants. Hein. Moi, je trouve qu'il a une bonne gueule, Félix. Il a pas l'air content d'aller chez son papa, Nicolas. Moi non plus, je veux pas aller chez papa Émile. Ah bon? Mais pourquoi, ils sont pas gentils, vos papas? Si, mais on s'ennuie. C'est des grands. Ils savent pas jouer. À la maison, chez papa Jean, c'est plus sympa. C'est qui celui-là? C'est le papa qui vit avec maman. Ah, mais pourquoi tu l'appelles papa? C'est le père de personne dans votre famille. Mais si, puisque c'est le copain de maman. C'est aussi notre papa. Ah non, pas vraiment, non. Non, non, c'est un faux papa. Je comprends pas. Ben, c'est facile. Papa Émile, c'est ton papa, donc c'est un vrai papa. Et les papas de Louise et de Nicolas, c'est des demi-papas. Mais Georges, comme c'est le père de personne, ça, c'est un faux papa. Mais non, papa Jean-Pierre. C'est qui Jean-Pierre? C'est le papa de Nicolas. Papa Jean-Pierre, c'est comme papa Alain. C'est qui Alain? C'est le papa de Louise. Mais arrête, laisse-moi t'expliquer. Bon, Nicolas, c'est mon frère. Alors papa Jean-Pierre, c'est mon papa. Oui, c'est ma sœur. Alors papa Alain, c'est mon papa. Et Georges, comme il vit avec maman, c'est aussi notre papa. Mais pas du tout. Écoute, Nicolas, c'est ton demi-frère. Mais parce que vous avez la même maman et pas le même papa, donc c'est un demi-papa. Et l'autre, Alain, c'est pareil. Mais Georges, ça c'est... Comme c'est le père de personne, c'est un faux papa. Alors on sympathise? Mais il a pleuré. Qu'est-ce qu'il a, mon petit oignon? Oh, c'est rien, c'est la fatigue, puis la chaleur. C'est à cause des demi. Quel demi? Vous l'avez quand même pas fait boire, vous? Non, enfin... Non, non, c'est encore une histoire entre nous, un jeu idiot. Enfin, je suis pas doué avec les enfants, quoi. Vous n'avez pas l'intention de passer par Orange? On n'a pas le choix, c'est le chemin. Mais il n'en est pas question. C'est une ville FN, on peut pas passer par là, on boycotte. Sous quoi ce délire, on fait que passer? Arrêtez-vous, je veux descendre tout de suite. Mais arrêtez, vous êtes fous! Fermez cette portière immédiatement! Je saute si vous changez pas de route! Mais quelle route? N'importe laquelle, celle-ci, là, la première à droite. Il me semble que c'est pas la bonne direction, vous m'avez fait tromper. Hein. Non, non, pas du tout. En tout cas, si vous êtes doué en politique, vous avez des problèmes avec les cartes. Faites voir. Attention! C'est pas possible! T'as la tête dans les choux! Tu peux pas faire attention, non? Bah, excusez-moi, on va faire un constat? Un constat? Un constat de quoi? Un constat de ta connerie, oui? Oh, mais... Dites! Pour
pourriez être poli quand même, y a pas mort d'homme, hein. Qu'est-ce qu'il veut, le Folluquet? Mais vous êtes pas bien ou quoi, Folluquet? Tu me cherches, enculé? Enculé? Mais traitez-moi de salarabe pendant que vous y êtes. Non! Arrêtez! Oh, le con. Ça va mieux? Ah, il est où? Il est parti. Mais comment ça, parti? Fallait appeler les flics, c'est une agression, ça. Oh, on s'est arrangé. Mais on s'arrange pas, Isabelle. En prison, c'est tout. Écoutez, calmez-vous, j'étais dans mon tort pour l'accrochage. C'est pas une raison. Bon, ben alors, il était d'accord de pas faire de constat si on allait voir les flics. Ça m'évitera un malus. Ah voilà, vous m'avez vendu pour un malus. Vendu. Vous avez rien de cassé, vous avez juste une égratignure. Et puis après tout, qui vous a demandé de vous mêler de cette histoire? De toute façon, tout est de votre faute. L'accident, le coup de poing. Tiens, Antoine, finis pour moi, s'il te plaît. Bravo. On pourrait m'assassiner que vous aideriez à planquer le corps si ça pouvait vous éviter un malus. Oh, ne faites pas de mélodrame. Vous êtes vivant et moi j'ai évité un malus. Ça vous apprendra comment vous comporter avec les méridionaux. Ah, merci Antoine, ça va, c'est gentil. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas une route ça? C'est ça ou l'autoroute, c'est le chemin le plus direct. Regardez sur la carte. Vous êtes complètement fou et totalement ridicule, hein? Pas du tout, j'ai des principes, c'est tout. Mais moi, je les trouve stupides, vos principes. Passer, pas passer, qu'est-ce que ça change? Après tout, on aurait dû y aller, s'arrêter, prendre un pot, tranquillement, comme chez nous. En tout cas, vous avez peur de vous faire lyncher, comme à Rouen? Pourquoi vous parlez de Rouen? Bah, à cause de cette histoire. Mais quelle histoire? Mais l'Algérien qui s'est fait tuer, vous êtes pas au courant? Mais pourquoi je serais au courant? C'est parce que tout le monde en parle et que c'est en première page de tous les journaux. Mais bah, je lis pas les journaux, moi, et je parle à personne, et puis je m'en fous de votre histoire. Bah, je crois que vous étiez normand, ça devrait vous intéresser. Ça m'intéresse pas. C'est le patron du bar qui les a dénoncés. La police a accueilli l'un des deux chez lui. Et l'autre, celui du bar, il est toujours en cavale. Mais ça va pas durer. Mais ce qui est pas très clair, c'est l'histoire du témoin. Il est passé où, Steve? Drôle d'affaire. Le mec dérange les assassins au moment où ils vont jeter leur victime dans la Seine. Du coup, ils ont peur et ils abandonnent le corps dans un coin sombre. Le témoin a fait du barreau dans un bar, dénoncé les assassins au patron. Et puis plus rien. Il aurait dû aller voir les flics. Oui, sûrement, oui, il aurait dû. Facile à dire, hein. Vous arrivez tard, j'étais inquiet. Il y avait de la circulation. Papa! Bonsoir. Bonsoir. C'est papa, Félix. Et Georges? Mais quoi, Georges? Félix est un ami qui m'a tenu compagnie sur la route. Tu n'importe quoi, Antoine, hein? Ça a été terrible toute la journée, je supporte pas d'être séparé. C'est bon, t'inquiète pas. Les autres se sont occupés de tout. Jean-Pierre et Alain ont téléphoné, ils viennent tous passer dimanche ici. C'est pas très folichon, mais je préfère dépenser mes défraiements en cadeau pour les enfants. Isabelle, on dirait que tes collègues sont déjà arrivés. Ils t'ont même préparé une petite fête. C'est pas très drôle, Félix, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Isabelle, où tu vas? Isabelle! Monsieur, on peut pas entrer dans l'hôtel? Non, madame. Non! Ne restez pas là, s'il vous plaît. Ne restez pas là. Viens. C'est juste que j'aime pas tellement voir ça. Pas moi non plus. Si ça se trouve, c'est un assassin. Mais c'est fou, ça. J'ai failli coucher dans le même hôtel qu'un assassin. Ça va pas? T'es tout pâle? C'est le néon, ça va aller. Ah, mais c'est sûr, hein, ça fiche un coup. Hein. Moi aussi, je me sens toute drôle. Hein. Oh, viens, on va chercher un hôtel plus sympa dans le salon. Allez, viens, lève-toi! Mais tu te rends compte? Le type pour venir ici doit avoir une voiture. Il aurait pu te prendre en stop. Imagine, il cherche un mec seul dans la voiture. Et ils sont deux. Mmh.
Lâche-moi. Lâche-moi! Oh, pardon. Pourquoi tu cries comme ça? Pardon, j'ai fait un cauchemar. Je le fais souvent, tu sais. Ça va aller, excuse-moi. Tu peux dormir maintenant. Que je te raconte une histoire. Il était une fois, au cœur d'une forêt sombre et mystérieuse, un loup féroce qui dévorait tous les voyageurs qui s'y aventuraient. Tapis dans l'ombre des grands arbres sinistres, il guettait tous les voyageurs de passage et les croquait tout vif. Jamais... Isabelle, arrête. Ça te plaît pas mon histoire? Pas vraiment, elle me rassure pas vraiment. Les enfants la redemandent toujours. Ah mais les enfants, c'est des sadiques. Moi, je suis grand maintenant. Je préférais une histoire à l'eau de rose. Bah, j'en connais pas. C'est rien, hein. Tu peux éteindre si tu veux. Merci. Félix. Oui. Pourquoi t'es pas allé chez les flics? C'est toi le témoin de Rouen. Pourquoi t'es pas allé chez les flics? T'as porté plainte cet après-midi quand je me suis fait cogner. C'est pas pareil, il n'y a pas mort d'homme. Ouais. Je savais pas qu'on l'avait tué, ce type. Un qui m'a coursé. Puis il m'a frappé. Puis quand j'ai été chez les flics, parce que j'y étais, tu vois. Mais j'arrivais pas. Ces mecs, des flics, de tout. Je sais pas comment t'expliquer ça. J'arrivais pas à m'imaginer en train de... leur expliquer. Un type m'avait frappé parce que j'ai une gueule d'arabe. J'avais honte. Seulement te remercie pour la journée d'hier. C'est moi qui te remercie. Tu trouveras une voiture sans difficulté ici. Je t'ai laissé ma carte avec mon adresse. Envoie-moi une carte postale de Marseille. Hein? Salut. Isabelle, embrasse les enfants. Voilà un mari qui lui convient tout à fait. Un professeur de golf. Remarque, c'est presque trop chic pour elle. J'aurais bien vu.
À Marseille. Moi, je vais sur Martigues, c'est pas vraiment la route la plus directe. Oh, bah, tant mieux, je tiens pas du tout à passer par Vitrolles. Hein. Merci. Vous ennuyez si je m'assois, là? J'aime bien regarder les gens pêcher. Faites comme vous voulez. Vous attrapez beaucoup de poissons? Dans le coin? Non. Alors pourquoi vous pêchez? Je pêche pas forcément pour attraper des poissons. Alors pourquoi? Pour pêcher. C'est comme ça, je pêche pour pêcher. Je pêche pour m'occuper. Je pêche par passion. Je pêche pour n'être plus à la maison. Vous ne vous entendez plus avec votre femme? C'est plutôt moi que je ne supporte plus. J'ai été un mari très présent et un père très exigeant. Plus maintenant. Je vois pas tellement le rapport avec la pêche. Il y en a un pourtant. C'est comme ça. Je suis devenu solitaire comme les moines. Oh. Vous êtes un contemplatif? Quand ça va plus à la maison, je viens pêcher. Quand je dois faire preuve d'autorité, je viens pêcher. Il faut savoir résister aux autres, surtout quand les autres vous ont résisté. Je ne me mets plus dans la situation de me faire marcher sur la gueule, alors je pêche. Et vous n'attrapez rien? Ben si, quand même, parfois, oui. J'ose pas manger les poissons qui sortent de là. Ça va quand même être rudement pollué, vous croyez pas? Vous êtes d'où? Normandie. Vous venez prendre le soleil? Et vous êtes arrivé à pied? Ouais. De Normandie? J'ai fait du stop aussi. Là, ça fait une heure que plus personne s'arrête. Non, mais c'est un peu normal, hein, vu votre tête. Vous allez jusqu'où? Marseille. Ah, belle ville. Vous connaissez? Non, pas du tout. Je vais faire connaissance. Pas seulement avec Marseille. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, c'est une longue histoire qui va pas vous intéresser. Vous avez fait tous ces kilomètres pour une histoire sans intérêt? Enfin, sans intérêt pour vous, hein. Je vais voir mon père. En effet, c'était pas très passionnant. Ah bon, c'est quand même un peu spécial, hein. Je le connais pas. C'est un peu mieux, mais ce n'est pas très original. Quand même pas tous les jours qu'un type va retrouver un père qu'il ne connaît pas. Ben, c'est que vous regardez pas la télé. Il y a tas de gens qui viennent raconter ce genre d'histoire. Comme si ça passionnait les foules. Alors comme ça, vous ne connaissez pas votre père? Eh non. Mes parents n'ont jamais vécu ensemble. En fait, ils sont séparés avant ma naissance. Mon père ne s'est jamais manifesté autrement qu'en envoyant de temps en temps une lettre à ma mère. Donc votre père n'a jamais eu envie de vous voir? Voilà. En effet. Alors pourquoi vous voulez le voir? Vous voulez lui casser la gueule? Non, pas du tout, non. Pourquoi voulez-vous que je connaisse mon père? J'en sais rien, moi, je sais pas. Vous lui en voulez peut-être de vous avoir abandonné? Non, je crois pas. Mais alors pourquoi vous voulez le voir? Pour le cogner, j'aurais compris. C'est quand même mon père, non? Si peu. Puis s'il veut pas vous voir, pourquoi vous voulez lui imposer votre présence? Ou alors c'est pour le faire chier? Ce qui revient au même que de lui casser la gueule. Ah, j'ai vraiment aucune mauvaise intention. Alors foutez-lui la paix. Peut-être qu'il voulait pas être père. C'est une histoire qui ne vous regarde pas. Qu'est-ce que vous allez l'embêter maintenant? Il y a peut-être une autre vie. Si vous voulez, je peux vous emmener à Marseille. Ah bon?
Non, non, je veux pas vous déranger. Ça me dérange pas. Je vous préviens, je vous mène pas chez votre père. Je veux rien avoir à faire avec cette histoire. Tenez, prenez ça. Voilà. Je laisserai n'importe où à Marseille, ce sera formidable. Ah, c'est pas mal aussi, le cerf-volant. Un peu comme la pêche, finalement. Un peu, ouais. La calme. Puis il y a toujours quelque chose au bout de la ligne. Ah, j'aurais peut-être m'en acheter, hein. Ça me changerait les idées. Ah, si vous voulez, le mien, je vous le donne. Non, non, non. Ah, ouais. Il est à vous. Vraiment, gardez-le, ça me ferait plaisir. Vous avez vu? Ouais. Un vrai jeu d'enfant. Bon, je ne veux pas vous faire perdre votre temps, je vous embête. Il ferait peut-être mieux d'y aller, non? Je ne suis pas si pressé. C'est marrant. Mais qu'est-ce que t'as? Bah ton bouc. Mais ton œil. Tu t'es rasé? Mais tu t'es battu. Où est-ce que t'es encore allé traîner? J'étais sûr que j'avais raison de me faire du souci, moi. En plus, t'arrives en retard. Ça fait 5 jours que tu me laisses sans nouvelles. Hein? J'étais mort d'inquiétude, moi. Je m'étais imaginé des trucs, que tu t'étais fait assassiner. Oh. Ouais, que t'avais eu un accident. Si on te laisse seul, tu fais que des bêtises. Mais toi aussi. Comment ça? Bah t'as rasé ton bouc. Oui, alors, tu trouves que c'est une bêtise, ça? Hein? Ça te plaît pas? Allez. Non. C'est juste que, quand je t'ai embrassé, ça m'a fait tout drôle. Pas désagréable, hein? Ah. Ça m'a surpris, c'est tout. Il paraît que là-bas, c'est presque l'été. On pourra se baigner. En plus, j'ai pensé qu'une petite traversée en ferry, ça te ferait plaisir. J'ai bien fait, non? Oui, t'as bien fait, oui. De toute façon, t'allais pas me présenter à mon beau-père tout de suite. Te présenter? Non, c'est pas évident, hein. J'imagine, t'as pas débarqué chez lui. Bonjour, papa. Je suis ton fils et je vis avec un garçon. Ah non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Bah raconte. C'est pas parce que j'étais pas d'accord avec ce projet que ça m'intéresse pas, hein. Bon, on est ça un peu pressé là. Mais oui, mais à quoi il ressemble? J'aimerais bien acheter des cartes postales avant d'embarquer. Il te ressemble ou pas? Écoute, si non, tu... Non, mais non. Je t'en veux pas du tout. T'as une super idée. Ça va être formidable, on va passer de belles vacances. Mais alors, pourquoi tu fais cette tête, hein? Pourquoi tu restes silencieux comme ça? Je croyais que tu aurais des tas de choses à me raconter, moi. Enfin, si tu veux pas m'en parler. Mais non. Je fais aucune tête. Puis si je dis rien, c'est parce que je te regarde. C'est tout. Et je me dis que c'est la première fois que je vois ton menton. C'est bien. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens. Car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie
que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens. Car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est en sens ce que j'aime t'embrasser. Plus tu m'aimes, plus je t'aime, plus j'aime t'embrasser.